Yo, c'est Surimi, on se retrouve pour l'épisode 5, si je me trompe pas, ouais, 5, de Kingdom, hein. Donc là, début de l'hiver, attention, gameplay différent du coup, un peu moins de choses à faire du coup, ça va être un peu plus compliqué, mais on va s'en sortir, on va s'en ressortir parce que quoi? Parce que je suis un pro. Enfin bon, on va pas trop vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais ça devrait le faire en vrai. Donc, hop. Glisse tout de suite sur le jeu, voilà. Et bah on continue notre partie hein, tranquillement. Donc voilà l'hiver, notre seule ressource, hein, là je le rappelle, ça va être les spearmen qui vont pêcher au pif un petit peu de temps en temps. Pour ça qu'il nous en faut quand même pas mal, mais pas trop non plus parce que il nous faut quand même des archers aussi. Pour qu'on puisse se défendre. Non, ce serait un peu con. Donc bah là, voilà, c'est ça. On va aller à droite à gauche, histoire de ramener des gens, tout simplement. Donc ça va être un peu la VOD de l'ennui. Hein. Je suis désolé déjà par avance, mais c'est une chose que l'on doit faire, voilà. Ce que je peux faire aussi là, tant qu'on y est, pour se défendre un peu plus correctement, c'est ça. On va faire des catapultes. Voilà. Alors. Si dans les commentaires vous le savez, n'hésitez pas à me dire ce que c'est que l'île des défis. J'ai pas trop envie d'appuyer, d'être TP à un endroit au pif. Hein. Donc n'hésitez pas à me le dire. Hein. N'hésitez pas non plus à lâcher le petit pouce bleu sur la vidéo, à rejoindre ma chaîne Twitch. Voilà, je fais ma petite auto-promo en même temps. Ça fait plaisir. Hein. Donc voilà, ils droppent des pièces, eux ils s'en foutent. Et puis bah après, c'est à nous de les récolter. Tout simplement. Donc ce qui est bien. Alors après, bon, bien sûr, comme il y a du transit, voilà, les archers les récupèrent aussi, les pièces, donc faut quand même que je check les archers. Qui ont du pognon? Tiens, toi, le clodo, là. Voilà. Ou alors après, c'est peut-être des biches aussi qui s'éloignent un peu trop de la forêt et qui se font défoncer. Hein. Eh oui. Bon, à peu près 16 de spearmen, c'est pas mal. Le reste, on va les claquer en archers, bien sûr. Le temps est bizarre, non? Peut-être une lune de sang. Non, ça va. Je pensais ça faisait un petit reflet rouge, mais non, c'est ok, c'est ok, c'est ok. Voilà, alors là, toutes les pièces que je ramasse, ça c'est les spearmen qui s'éclatent. Oula, ça fait peur dans la bouche, ça c'est bien. Attention. Blême! En vrai, là, on a les archers, là, on est vraiment très bien. Là. On est large dès le début. Donc ça, c'est cool. Allez, on va voir s'il n'y a pas un pecno. Il y en a un, c'est parfait. Hop. On drop la petite pièce qui fait plaisir au cas où. Et après, bah, là, ce qu'il va nous falloir, bah, c'est des archers. Beaucoup d'archers. Et après, seulement après, on fera les soldats. C'est... Voilà. Chaque chose en son temps. Donc, autant vous dire que là, pour l'instant, c'est mort pour les fermes. Hein. On n'a pas d'endroit où faire de fermes. Et puis, bah, de toute façon, l'hiver, c'est niqué. Donc, voilà. Toi, ici, il n'y a pas un pecno qui est revenu? Par hasard, non. Est-ce que je peux faire? Parce que là, on n'a rien à faire. Enfin, si, on a des choses, mais je veux dire... Voilà, on va les épargner. Hop, on va aller claquer les diamants dans le coffre. Je pense que ça, le coffre, on l'a sur toutes les îles. Donc, 1, 2 et 3, voilà. Parce que le mec était déjà là de base, parce que j'avais déjà mis des diamants, donc il est là. Donc forcément, forcément, il restera là, je pense. Hop, encore un pecno. Tiens. Donc voilà, de ce côté-là, on fera plus de spearmen, on en a largement assez sur tout le truc. Regarde. On nous donne 3 pièces comme ça. Et ces pièces-là, bah, on va aussi les foutre à la banque. Hein. Normalement, c'est bon. Là, il a ce qu'il faut. Ah putain, j'ai même compté un peu trop. Voilà.
Donc c'est notre seule source de ressources, hein. C'est notre seule source de revenus, ça c'est les... Voilà, les Spearmen. Donc voilà, bah de ce côté-là aussi, on n'a plus besoin, donc ça c'est parfait. Y a-t-il un Pecno? Non, on va lui laisser une pièce, même si je doute que ce sera certainement les gobelins qui vont nous l'achouer. On verra bien. Ouais. Là, les améliorations, on est bon jusque-là. Ce qu'on va faire aussi, peut-être un ou deux bâtisseurs en plus, parce que chaque bâtisseur, enfin chaque catapulte prend deux bâtisseurs, je crois, ou sur un. Bon, il y en a un qui sert à rien là, mais c'est pas grave. Je préfère en avoir quelques-uns d'avance pour l'expansion, tout ça. Quand on va péter des arbres, tout ça, on va en avoir besoin de beaucoup. Donc, hop, voilà. On n'est jamais trop prudent. Y a-t-il un pecno ici? Non. Je vais pas laisser de pièces parce que ça va être la nuit, ce serait un petit peu du gâchis. Alors, je sais que au début, quand ils étaient sortis, enfin quand ce jeu est sorti, il y avait déjà les Spearmen, tout ça. Mais ces cons, en fait, se mettaient dans le mur et limite plus à l'extérieur du mur qu'à l'intérieur. Et du coup, en fait, ils se faisaient quand même taper par les mobs et du coup, je les perdais quand même. Du coup, en fait, mes sources de revenus, enfin l'hiver, c'était beaucoup bien plus difficile parce que bah, justement, ces cons, ils prenaient des dégâts quoi qu'il arrive. Alors, je sais pas si maintenant ça a changé, on va bien voir. S'ils ont le temps d'avancer déjà les... Ouais, j'ai l'impression qu'ils servent surtout à rien en fait. Ah si, ils donnent quand même des coups, ok. Bon. Ok. Pourquoi pas. On va aller lâcher une petite pièce là aux paysans. Alors... Là c'est bon. Oh. Est-ce que c'est normal? Ah oui non c'est bon alors. Ils se mettent un peu au pif. Ok, j'ai eu peur. Mais non mais c'est ok, c'est ok. Il y a un paysan là non même pas? On va drop une petite pièce, il viendra la chercher quand il voudra. Oh, c'est pas un gameplay fort intéressant, ça, je le conçois, hein, mais bon, faut passer par là, hein, dans tous les jeux, c'est un peu de farm. Voilà. Et puis bon, même graphiquement, du coup, c'est moins intéressant, il y a moins de couleurs, il y a moins de tout ça. Bon, après ça, je pense qu'on va commencer quand même à faire des chevaliers. Hein. Parce que bon, c'est pas le tout, mais il va falloir quand même qu'on aille latter un petit peu des gobelins hein, qui se cassent un peu de chez nous. Hein. Ah, avant je pouvais drop avec... Ah je peux faire avec R1. Enfin LB quoi. Ok. Mais avant je pouvais drop avec la touche du bas. Bon ok bon. C'est bon à savoir quand même. Ce jeu tout peut jouer d'une main hein, que ce soit au clavier, bah au clavier ça joue plus d'une main. Voilà. Alors donc là il nous manque les briques pour tout améliorer mais bon ça sera je crois 4e île qu'on débloquera ça. Y a-t-il un pecno? Il n'y a pas de pecno. Très bien, bon je laisse une pièce de... Voilà, au pire, je les offre aux gobelins, quoi. En signe de bonne foi et de sympathie. On n'est pas des bêtes, quoi. Je commence à avoir trop de pièges. Voilà, je vais en perdre. On va aller les mettre à la banque. On va épargner tout ça. J'ai pas épargné beaucoup.
Ce qui me donne trop de pièces en plus. Tiens le banquier, prends-en d'autres. Voilà, bon on a déjà pas mal de thunes, ça c'est cool. De toute façon on n'a pas trop le choix. Enfin là en vrai, si l'hiver se passe comme ça assez rapidement, on devrait s'en sortir très très bien. Y a pas de paysans, non. Bon allez, mange un petit peu. Si si, y en a un là. Hop. Alors petit truc aussi, on peut drop une pièce, la reprendre, la redrop un peu plus loin pour qu'il y retourne. Faire ça chaque fois pour... pour qu'il aille plus vite, quoi. Et là, il court, parce que voilà, les gobelins. Parce que sinon, il aurait marché, il aurait très bien pu se faire attraper par les gobelins. Donc, petite astuce, hein, que je fais, moi, que je trouve utile, quoi. Ça, c'est pas mal aussi, du coup, le griffon peut entasser tout, pour qu'après, les archers, snipers, hein, puissent directement les latter. Bon, je pense qu'il va être temps de faire quelques chevaliers. On va en faire un de chaque. Voilà, donc là, en fait, c'est un de chaque côté. Celui qui était là prendra... va partir à gauche et puis à droite, là. Voilà. Je veux pas de tes pièces gardées. Voilà, on se vide un peu les bourses parce que... Bah là en fait, non, l'hiver se passe plutôt bien. Alors à savoir, l'hiver dure combien de temps, je sais plus. Sur internet tout est expliqué, j'avais regardé mais... Je me rappelle plus, j'y vais un peu YOLO. Là on voit en tout cas que... Il n'y a aucune branche, tout ça, donc c'est que c'est pas... Ça va pas être tout de suite que... Ça va revenir, tiens, je vais drop une petite pièce à un paysan qui... Qui viendra là. Il nous ramène toujours des pièces, ça c'est cool. On a géré notre truc, hein. Ça va. On s'est très vite développé. Pile à l'arrivée de l'hiver, on avait nos Spearmen, c'était parfait. Donc ce qui fait qu'on avait forcément du revenu et ça c'était cool. En plus, toutes les pièces qu'on avait avant, puis on avait la banque. Donc ça c'était bon aussi. Je pense qu'on a géré pas mal notre truc. Donc voilà. Donc, là, hop, un autre paysan. Hop, bah tu seras le deuxième chevalier du coup. Toi, je vais te donner des pièces pour... améliorer, voilà. 4, 5. Normalement, c'était la dernière. Oui, après, tu t'en bats les couilles. Ok. Très bien. Bon, du coup, on a un peu moins d'archers qui vont se balader. Bon, là, c'est l'hiver, c'est pas gênant. Donc, là, normalement, on a. Ah non. On prend encore un paysan pour récupérer. Pour récupérer le deuxième bouclier. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il attend là, ce con? Tu peux pas aller comme tout le monde au centre-ville? C'est dommage. Je sais pas pourquoi. C'est quand ça leur prendra, ils iront peut-être dans le centre-ville, je sais pas. Ou c'est arrivé à la nuit. Ils se disent, oh putain, ça chauffe, hop, on se barre. Un peu comme les paysans. Si vous avez la ferme qui n'est pas améliorée, les paysans, donc la ferme niveau 1, à chaque fois, donc si votre ferme est super loin, bah ils vont faire l'aller-retour à la nuit, ils vont aller au centre-ville. Enfin, au château, quoi. Et du coup, en fait, le temps qu'ils reviennent, bah, ils bossent pratiquement pas. Ah si, si, c'est bon, il est là. On va lui donner le nombre de pièces nécessaires, parfait. Toi là, hein, collecteur d'impôts, hein. Collecteur d'impôts, ouais. On peut dire ça comme ça. Bon, au moins, on a nos lanciers qui font le taf, et ça, c'est cool. La nuit arrive. Oh, ouh, c'est rouge. Peut-être une lune de sang, non? Ah non. C'est le ciel qui est rouge, mais la lune n'est pas rouge. À moins que... Non, non. C'est une lune normale. Ok. Oh, mon chien, il me manque. Ils ont quand même tué mon chien. J'étais mon chien. En plus, il nous indiquait les ennemis et tout. De quel côté? C'était inutile, mais... Bon. Il voulait servir à quelque chose. C'est malheureux quand même. Bon bah, se sont fait décimer, hein.
On va à peine toucher le mur. Ça c'est cool. On va faire direct nos deux chevaliers. On va pas s'emmerder en fait. Hop hop hop, deux chevaliers. Tac tac tac. Voilà, les deux prochains ils seront là. Puis après bah, on fera full archer. Et on sera bon. On sera même parfait. Bon bah là comme d'habitude, gauche droite pour voir s'il n'y a pas des pecnos. Alors je sais pas, est-ce que c'est par exemple les pecnos, le taux de drop c'est un pecno chaque jour ou si c'est ils arrivent toutes les deux minutes, aucune idée de ça. C'est peut-être aléatoire entre 2, 5 minutes, j'en ai aucune idée. Enfin bon, c'est pas grave. On va aller voir du coup de l'autre côté pour s'il y a des pecnos aussi. De toute façon notre but là c'est d'en ramener le plus hein. Il y en a un, parfait. Voilà. Ah donc là, on est d'accord que là, je vais avoir un coffre de gemmes. Peut-être même avant le... Oh, des marcassins. Ouais ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Au secours ! Qu'est-ce qui se passe? Il m'attaque? Tu as le paysan court? Courez! Ah mais oui! Mais c'était pas prévu, c'était tellement pas prévu cette merde! J'ai plus d'archer. Barre. Oh. Oh. Oh, j'ai rien compris. On va. Je sais pas s'ils ont pu récupérer leur arc. Dans le doute, full archer. Hein. Tiens, toi. Prends de la pièce. Oh, j'ai plus de sous. Brave. Oh putain. Ouais bah il m'a surpris ce con. Bon eux là ils ont forcément de la thune hein. Bon, peut-être pas beaucoup. Oh putain il m'a fait flipper. Y'a pas un clodo là non? Oh putain de merde. Bon bah, il y aura quand même eu quelque chose de nouveau dans cette VOD. Oh putain. Incroyable. On va refaire des archers. Parce que ouais, du coup là, j'étais un peu en manque d'archers. Hein. Oh, j'ai envie de retourner foutre la merde. Ah oui, du coup, faut que je refasse des archers, c'est parce que là, il n'y a plus. Il n'y a plus d'archers qui se. Putain, j'ai encore tapé dans le micro, terrible. Il n'y a plus d'archers qui se baladent. Qui se baladent à droite, à gauche pour, par exemple, faire le transit des pièces des Spearmen. Oh, putain, j'ai envie d'y retourner, mais. Bah, vu comment il était solide. Je suppose qu'on peut le tuer. Mais au moins on a déjà nos 4 chevaliers donc ça c'est bon. Ah l'hiver ça dure combien de temps? Je sais jamais. Là je vais leur donner des pièces à eux. Ok avec les pièces qui drop ils en ont peut-être pas besoin. Non ils doivent être full pièces ok. Donc là que je suis à côté d'un paysan là, d'un peut-être possiblement un clodo quoi. Parfait, regardez, hop.
Putain, il m'a fait flipper quand j'y repense. Oh, je l'ai vu sortir, je fais oh, des marcassins, c'est bien, on peut rien en faire. Puis d'un coup, le gros machin qui sort. Hop, on récupère les petites piécettes, ça c'est cool. Ouais, donc là, on a plus. On a un archer qui se balade, donc ouais, il nous en manquera. Toi? Bon, c'est bon, t'as toutes les pièces qu'il te faut, ok. Ah oh bah génial, il vient de sortir à ce moment là. On ira en début de nuit à redéposer. Ah ouais, mais il m'a fait... Ah, j'ai pas compris. Oh, le truc. Mais ça, en fait, faut le faire sortir en début de nuit, quoi. On va tenter. Parce que comme ça, il y a les gobelins qui vont... Il va foutre la merde avec les gobelins. On va y retourner voir. Et là, c'est fourbe, on avait qu'une chance pour... Non, c'est bon. On va pas se mettre trop près, du coup. Attention, je ne garantis pas le succès de cette opération. Bon. On va peut-être y aller là. Hein. On va commencer à y aller. Ah ! Au secours ! Au secours ! Cassez-vous ! Moi je le dis, hein, ça pue la merde pour vous, vous allez... Vous avez intérêt à vous ranger tranquillement. Oh, il y en a déjà défoncé deux ou trois. Ah, c'est chaud. Mais là, par contre, vous avez moyen de le défoncer. Oh oui, on l'a. Oh, ça donne full pièce, en fait. Oh, mais ça donne beaucoup trop de pièces. Est-ce qu'il y a les gobelins qui arrivent en plus? Ouais. Je drop de la pièce parce que ça sert à rien, là. C'est bon. Putain, je savais pas que ça donnait autant en fait. Vas-y, là, tu peux aller chercher ta lance. Oh là là, tout ça en pièces. Ok. Ah. C'est énorme. Ah là là, je perds de la pièce. Hein. Ok. Bon, bah, on sait que le sanglier, il chie de l'or. Hein. C'est cool. C'est incroyable. Alors, de l'autre côté, on devrait peut-être avoir deux pouilleux, ce qui est parfait. Ouais, c'est incroyable. On l'a encore fait trop tôt quand même, hein, du coup. Bon, allez. Là, on va peut-être commencer à attaquer, hein. Par là. Allez, go. C'est parfait. Je vais les suivre parce que, au cas où, j'ai pas envie que. J'ai envie de perdre un minimum d'unités là. Parce qu'on n'a pas de camp dans nos murs. Si on peut éviter de perdre un maximum d'unités et du coup de l'argent, ce serait cool. Allez hop, allez, on y croit. C'est parti, c'est parti. C'est bon, il n'a pas perdu de caisse, c'est parfait. L'autre il reste en retrait et va au même. Va devant avec ton pote. Hein. Ah l'arnaque. Bon. Alors là par contre va falloir s'attendre à ce qu'on se fasse attaquer des deux côtés, une lune de sang.
Et après, on enchaînera avec une nuit, hein. Donc là, il va faire sombre pendant pas mal de temps. C'est pas grave, hein. On va aller donner. Est-ce qu'on peut arriver à un moment où la banque, elle est, y a trop de trucs dans la banque? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou c'est peut-être 10 et pas 11. Ah, 10, ok. Bon, on va redonner 10. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Dans ma tête, c'était 11. Je ne sais pas pourquoi. On est riche. On est riche. On s'est fait un porc qui vaut de l'or. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu vois pas que c'est la nuit, que... On va le prendre quand même, ils ont pas l'air d'arriver. Je sens le regret d'un coup, là, je sais pas pourquoi, d'avancer, non? Ouais. Un petit peu, quoi. Ça aurait pu être pire. Alors, le pire... C'est de... Oh putain, du coup, ouais, on enchaîne direct avec une lune de sang. Comme si ça suffisait pas. Bon, lui, il est pépère, hein, tranquillement, il est arrivé. Hein. Sans pression. Bon, ça devrait... Alors, est-ce qu'on va commencer à avoir des nouveaux mobs ou pas? Ah, la lune de sang. On va bien voir. C'est fini? La lune de sang des petites bites, hein. Oh bah parfait, il est à peine sorti. Il a trouvé un emploi. Pas comme, comme en France. Les archers, bah là ouais, de toute façon, ce qui nous manque, ça va être de l'archer, hein. Bon, est-ce qu'ici c'était la merde? Non, j'ai pas l'impression, ça s'est très très bien passé aussi. On est large, hein, on est large. On a déjà pété un portail, du coup on va aller... On va peut-être pouvoir voir... Ah, comme la nuit en fait, la journée est tombée, hein, c'est des paysans qui... Enfin des trucs qui n'ont... Ils ont pas eu le temps d'arriver en fait, tout simplement, parce que la journée est arrivée, du coup ils sont repartis. On peut s'étendre jusque là. On aura de la forêt et du coup bah un camp avec nous. Et ça c'est parfait, c'est parfait. Ah, par contre j'ai peut-être vu un petit peu gros. Le temps qu'ils arrivent. On va bien voir, on va bien voir. Il faut qu'on se fasse de la thune entre temps. J'ai même pas une pièce à leur donner. Toi t'as peut-être une pièce. Non. Toi t'as pas de pièce non plus. Non, toi non plus. Si. Parfait, on va aller lui donner cette pièce. Voilà. Puis on va essayer de récupérer des pièces à droite à gauche. Ça va être compliqué. Hein. En fait, j'aimerais bien avoir un minimum de pièces. C'est pour, au cas où ils subiraient une attaque, pas les perdre, les bonhommes. Ah bon, ça va être compliqué. On va plutôt y aller là-bas. Récupérer les pièces des arbres qu'ils ont pété. Quoi qu'après une lune de sang, on devrait pas avoir d'attaque. Ou alors ça a été une lune de sang forcée par, par le fait qu'on ait pété le mur, peut-être aussi. Tant de possibilités, hein. On va bien voir. On va aller voir. Donnez-moi vos pièces, vous, là. Ok. On va péter cet arbre aussi, du coup. Celui-là. Attends, qu'à faire. Alors, par contre, si vous pouvez vous dépêcher de rentrer, là, ça m'arrangerait. Hein. On va laisser une bonne partie de forêt. Ouais, on va laisser au moins cette partie de forêt là.
Je vais y retourner. Pour les défendre un maximum si jamais gobelins. Ouais, voilà, putain, ouais. Bon, ils sont full perdus. On ira les récupérer après. J'ai plus beaucoup d'énergie. Ah ouais. Ouais, on a pris. Ils ont pris cher. Alors, est-ce qu'il va arriver à temps aux murailles? On ne sait pas. On verra. Oui, ça va. Par contre, on a perdu 3 mecs là-bas. 3 bâtisseurs, du coup, va falloir les refaire. Parfait, go. On va les rechercher tout de suite. Mais du coup, là, en fait, la chose, c'est que j'ai perdu donc le bâtisseur qui a coûté 1. Mais j'ai aussi perdu le marteau qui a coûté 3. Donc j'ai perdu 16 pièces. Non, 12 pièces, pardon. Ils étaient 3 en bâtisseur. J'en oublie pas un. Non, ça doit être ça, ouais. Parce qu'en fait, les gobelins, quand ils pètent, quand ils attaquent un de nos citoyens qui est déjà équipé d'une arme ou d'un outil, ils perdent l'outil en prio. Donc, ils ont toujours moyen de se barrer. Et si pas, et donc, il y a un gobelin qui prend l'outil et il se barre avec. Et si pas, bah, il y a un gobelin qui prend l'outil. Il continue à le taper. Et là, il perd sa pièce qu'on lui a donnée. Et donc, il devient un clodo. Quoi. Il redevient un clodo. Ça va, il y a des gens qui prennent. On va pouvoir refaire quelques bâtisseurs. Pas 3, du coup, on refait 3 bâtisseurs. Et on va aller voir là-bas les clodos. S'ils ont de quoi. Hop. En même temps, normalement, ça a dû chasser un petit peu ici, non? Putain, bah, pas tant que ça. Oh, quand même, ça va. Voilà, 2 clodos. Donc on va faire une grosse extension de l'autre côté. Hein. Ça va être nécessaire. Hein. Donc ça, c'est les 3 clodos qu'on a perdus, j'imagine. Il reste plus que 2 marteaux, donc ouais, c'est ça. Donc voilà. Une fois qu'il court, et bah hop, on repart sur de l'archer. Hein. Parfait. Du coup, on va repartir sur. Les musiques, elles sont bien quand même. Hein. Alors, vous n'avez pas de piège, je suppose. Vite fait, quoi. Ouais, vite fait, vite fait. Bon bah, j'ai pas réussi, je sais pas. Des fois, tu peux prendre de loin. Enfin, rapidement, des fois, non. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Bon, on va avancer, mais bon. On va quand même faire gaffe à notre cul. Parce que si gobelin il y a, courir, on va devoir. Voilà. Ça n'a pas marché. Merde, on a gaspillé de l'énergie pour rien. Vite, 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 vite. Hop. Mange. Elle est pas faim. Elle est pas faim, ce connard. Je le déteste. Là, t'as pas faim? Si, t'as faim. Voilà, c'est bon. Ok. Bon, bien sûr, je vais pas le donner là. C'est une pièce de. Ce serait de l'argent de gâché. Alors, ça va, j'ai pas perdu de Spearman, j'ai l'impression que ça a été réglé un petit peu le bug. Oh bah alors là, ouais, bon, tellement pas le poids, c'est bon, hop c'est terminé, au revoir. Merci d'être passé. Hein.
On va laisser une pièce pour le prochain clodo. En fait, c'était un peu débile. Parce que là, je vais leur faire construire un mur. Donc c'était complètement débile. Le mur, on va le mettre... On va le mettre où? Bon, on a de la place quand même. On va le mettre ici. Je sais pas exactement où est-ce qu'il est, l'autre. Bon, il est là, donc ouais, on a bien fait. On n'est pas trop près, ni trop loin. Ça devrait le faire. Donc une nouvelle journée, hein. Rien n'indique que le printemps va arriver. Hein. Ça après, voilà. Alors par contre, si les pecnos pouvaient se dépêcher. Bon, j'espère que vous l'entendez pas, il y a un avion qui passe au-dessus. Pas très haut et du coup ça fait du bruit. Bon, on va construire ce... On va s'installer là. On va essayer d'avoir de solides bases. Et puis on va s'arrêter là hein, pour cette VOD au moins. Parce que bon... Continuer, non, non, continuer... Donc là pour deux on peut avoir le cheval de guerre hein, qui est là mais si je sais plus ce qu'il fait, je sais plus non, je veux dire il fait une traînée des flammes quand ou alors il peut se mettre à sprinter ou un truc du genre, je sais plus exactement. Merde ça va peut-être être tard, non, on espère pas. Au pire si jamais on est là pour les retenir, un simple mur en pierre devrait suffire. Hein. On va attendre là. Ça devrait être bon, ça devrait être bon. On va le faire. Ça devrait le faire. Dites-moi que vous avez fini, que vous avez consolidé. Bien. Dites-moi que ces putains d'archers vont arriver. Non, putain, fait chier. C'est la nuit qui tombe là en plus. Bordel de merde. Grouillez-vous. Ah là 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 là, ça... Ah, ça sent pas bon pour notre cul, ça. Lève là, lève là, lève là. Dites-moi qu'il y a des archers qui sont déjà là. Putain, mais vous branlez quoi, vous? J'ai un mur de construit, merde. Mais, bah là, on va perdre. Ils vont le défoncer. Bah ouais. Je t'en peux. Comme je peux. Ah, il est fatigué mon défaut. Mange. Fais quelque chose. Oh putain, puis en plus c'est une lune de sang, non? Ils font quoi ces cons? Ça y est, il va commencer à s'effriter le truc. C'est pas bon. Ah. C'est bon. Ça devrait être fait, ça devrait le faire, ça devrait le faire. Ah non, c'est même pas une lune de sang, ok. Oh, par contre, ils auront tellement de pognon. Ah, la moulasse. Ah, on a eu de la moule. Oh. En vrai, j'ai eu peur. Hein. Ça sentait vraiment pas bon pour notre fion. Hein. Ça s'est bien passé. Ah, le pognon qu'ils ont ramené, bah oui, ça devait être les cerfs, parce qu'il y en a plus aucun. Ils ont dû défoncer la population de cerfs. C'est terrible. Ah bah du coup j'ai... Je suis con là, j'ai de la pièce, on va tout de suite leur faire améliorer le mur. En priorité. Parce que sinon on va se retrouver niqué. Peut-être perdu un Spearman ou un constructeur, on verra bien. Alors. Ouais bah réparez pas le mur, de toute façon ça sert à rien parce que vous allez faire l'étape suivante. Putain j'en ai marre. Quand est-ce que... Oh, 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 la pièce. Oui. Quand est-ce qu'on va retomber sur un joli été, là? Oh, ah oui. On est vraiment proche, quand même. Mes soldats, est-ce que si on fout le pièce, ouais, ils sont ok. C'est parfait. Ah bah, j'aimerais bien que le printemps arrive, quand même. Hein.
Je sais pas, hein. Pourquoi le printemps d'ailleurs? Ça change rien. On est full pognon à chaque fois. J'ai même pas de quoi faire une ferme en fait quand j'y repense là, de ce côté-là en tout cas. C'est full baisin de ce côté-là. Et toi, qu'est-ce que t'attends? Va devenir un archer, merde. Au lieu de rien branler là. Putain là. Ça y est là, il en. Lui, regarde, il dit. Ah non, mais qu'est-ce qu'il fout là, tous ces pouilleux? Oh, et vous là, on flémarde pas là, c'est quoi ça? Désertion? Non, toi, garde ton pognon, j'en ai pas besoin. Oh putain, c'est ces connards là qui vont prendre, ça m'énerve. Là, on va se mettre là. Tiens, t'as du pognon, prends-le, garde-le. Ça sera en cas de coup dur. Tiens, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Manquer une pièce. Ouais. Voilà. Oh là là. Pour n'importe quoi, c'est quoi ces dissidents là? Ils désertent à moitié là. C'est pas normal ça. Là vous avez de la pièce. Non mais on a certainement du clodo à récupérer. Eh oui. Hop, deux clodo en plus, bam. Parfait ça. Je veux le printemps. Amenez-moi le printemps, s'il vous plaît. Pour que je puisse tuer tout plein de lapins. Et me faire des couilles en or. C'est peut-être des spearmen qu'on a perdu, non? Je sais pas. Aucune idée, en fait. J'ai même pas de quoi faire de ferme, c'est la baise. Qu'est-ce que tu branles là, toi? Ah, mais par contre, oui, ce qui est bien là, c'est qu'on a quand même des pecnos qui sont. Ok. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Et du coup, avec les Spearmen, possiblement, ils vont peut-être arriver tranquillement, sans qu'on leur demande. Et ça, c'est bien. On est pas mal installé en vrai. C'est bien. J'ai envie de vous montrer ça. Hop. Oh là, le pecno. Bon, peut-être pas cette nuit, du coup, parce que le temps que ça arrive, mais. Ah! Au secours. Ah, du coup, ça sera pour la nuit prochaine parce que le temps qu'il arrive avec ça, on en aura déjà plus. Voilà, c'est les derniers là. Ok. Eh, mais non, ce qu'on va faire en fait, c'est. Eh, à l'attaque hein. Oh, j'ai pile assez de thunes. Ça aurait été terrible de ne plus avoir de thunes. Hein. Bon, on va arrêter la VOD là, hein, du coup. Hein. Puis on se reprendra direct après. Je continue, moi, à enregistrer. En tout cas, si cet épisode t'a plu, bah, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, de s'abonner, le commentaire, le partage, tout ce qui va bien. Twitter, Instagram, ainsi que la chaîne Twitch. N'hésite pas à venir la follow, la chaîne Twitch. On y est bien. On y est bien. On fait des lives, quoi. Allez, ciao.